Bonjour tout le monde, on se retrouve dans un deuxième épisode pour aller visiter des îles. Et pour cet épisode-là, on va aller chez Tiff qui habite à Koh-Lanta. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être vachement naturel. Et on va donc aller voir Tiff. Oh dis donc, on est accueilli avec un tapis rouge carrément. Eh bah dis donc, coucou, merci. Je vais lui poser son cadeau. Alors au hasard, hop. Lâcher. Tac. Voilà. J'ai failli oublier. Ah ouais, dis donc, tapis rouge carrément. Ça fait un peu star hollywoodienne là. En plus, avec mon grand chapeau et tout, je m'y croirais. Bah, avec plaisir. Avec les lampes et tout sur le côté. Eh ben, dis donc. Alors, du coup. Petite cascade ici. Petit chemin dans les fleurs. Et nous arrivons sur la plage. Ah waouh! J'ai à peine vu que déjà je trouvais ça beau. Rien que le sol comme ça. Ah, c'est vraiment chouette. Avec une petite baraque à coco là. Il y a quoi au menu? Et il y a encore du coup ces tortues là avec les coquillages. Faut vraiment que je crée ces sièges coquillages pour faire pareil. Parce que j'aime beaucoup l'idée. Ah, dis donc, ouais, avec carrément. Ah, ça fait très hollywoodien, new-yorkais et tout en fait. Ça fait très. Pour l'instant, ça me fait penser au cinéma, quoi, aux stars de cinéma. Et ce que je vois derrière au loin. Oh, dis donc, t'as déjà un meuble glace comme ça. Ah, c'est trop bien, du coup, ça fait super cocktail. Ouais, c'est ça, boîte de nuit et tout. C'est top. Ah, j'arrive pas à m'asseoir encore. Non, j'arrive pas. Il n'y a plus de place sur le canapé. Et du coup, j'arrive pas à la faire. à la faire. Enfin, elle n'arrivait pas à descendre. Alors, c'est pas les mêmes. Si, je sais pas si c'est les mêmes que ce qu'elle avait mis sur la plage tout à l'heure. Et du coup, sur le sol, ça donne totalement. Oh là 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 là, elle. Oh purée, je l'ai vue dans New Leaf. Je sais pas si vous vous souvenez. Elle voulait pas. Ah non, c'était pas elle. C'était pas Kat. C'était. Je sais plus. Mais elle avait un sourire encore pire que elle. On est des étudiantes modèles, là. C'est cool, du coup, moi qui suis maîtresse, même si je fais une pause pour faire une reconversion professionnelle, avoir une classe dehors comme ça, c'est trop génial. Mais bon, du coup, quand il pleut, c'est moins génial. T'es déjà toute bronzée, dis donc. Ouais, non, c'était pas elle que j'avais eue. C'était une avec un sourire énorme. Hop là, pareil, un petit coin jeu comme ça, c'est chouette. Ah, le banc bloc de bois, c'est un des plans qui me manque. Oups, j'arrive plus à sortir. C'est sympa. Du coup, toi, tu les as en gris, en tout cas celui-là, gris et vert. Moi, j'ai les deux en blanc. Les 10. Ah, mais il y a un truc qui tombe. J'avais jamais remarqué. Là, ça veut plus le faire. Non. Il y a un truc qui est tombé tout à l'heure. Si, si, je vous promets. J'ai pas rêvé. Alors, donc, le petit drapeau qui est une île. Oh, la vache, avec le gros dinosaure comme ça devant. Sympa, sympa. J'aime bien quand il y a des choses partout en fait, quand tout est bien bien complet. Bonjour, je voudrais le nez rose, s'il vous plaît. Ah, j'ai encore oublié de prendre l'échelle et la perche, décidément. J'apprends pas de mes erreurs, donc j'espère qu'on n'aura pas besoin. Voilà, pareil, tu t'es assise au milieu, je vais pas pouvoir. Lampadaire en vert, moi je l'ai en blanc, et ma soeur m'en a donné des marrons. Ah, il y a plein de motifs au sol, j'aime bien. Ah, cool, pas besoin de perche là. Hop là, fais saut mouton. Du moins, on essaye. Il a pas peur cet insecte-là. Ah, oh, c'est trop sympa. Ah, oh, j'aime beaucoup ce petit coin-là. J'aime vraiment beaucoup. Petit petit peintre. Ah, ça c'est une super idée, franchement. Bravo pour cette idée. Hop, on continue. Tac. Voilà. Donc là, on arrive à la partie nord-ouest de l'île avec une première maison, disons, qui est bien entourée. Hein. Elle a un beau jardin. Maison un peu en souterrain comme ça, enfin en souterrain ouvert, mais ah ouais, ça a l'air très hollywoodien aussi comme ça, avec les étoiles au sol. J'aime bien ce motif-là. Je sais pas si c'est un des motifs de comment elle s'appelle, de Cousette. Waouh, wow, une salle de cinéma. Oh, c'est trop trop bien fait ça par contre, avec le générique et tout. Waouh, bravo. Du coup, on a regardé Jurassic Park. Ah ouais, oh, ah, j'aime beaucoup là par contre. J'en avais jamais vu du coup. C'est vraiment chouette. Bravo, bravo, bravo. Dommage qu'il n'y ait pas des pots de pop-corn qu'on puisse poser sur les tables et tout. Avec le truc, ouais. Ah non, franchement, c'est cool. Le projecteur là. Hop.
Waouh, ça aussi c'est cool. On s'y croirait franchement. Si on se décale un peu comme ça pour pas voir trop les bords, franchement, c'est vachement cool. Est-ce que c'est toi qui fait les sols? Hop, donc je lui demande si c'est elle qui fait les motifs. Et là, on change de galaxie comme elle dit. Non, non, j'aimerais bien sur Pinterest, je les trouve. D'accord, ok. C'est vrai que du coup, il y a pas mal de sites qui regorgent de pas mal de d'artistes. Ah, toi aussi, t'as un camping aujourd'hui. Enfin, un campeur, du coup. C'est sympa comme ça, avec les deux cascades de chaque côté. Le fameux parc à hybride. C'est sympa aussi d'avoir mis des barrières différentes, comme ça. Ah, et le sol aussi, c'est pas le même, j'ai l'impression. Avec le petit tablier là-bas. Ouais, franchement, c'est chouette. Ça fait très, très printanier, très folklorique. J'aime beaucoup. Tiens, t'as un fossile là-bas. Faudra aller le déterrer. Ah, encore un ours. J'ai l'impression qu'ils étaient plus gros, là. Ça doit être la maman ours. Ils étaient aussi gros tout à l'heure. Je m'en souviens déjà plus. Ils me paraissent plus petits. Ou alors, je m'y suis habituée. C'est peut-être ça. Mais c'est sympa, ce petit parc, comme ça. Ah, il est beau, cet escalier. Je crois pas que je l'ai mis. Ou alors, là, si le fait qu'il soit de face, peut-être. J'ai l'impression que c'est pas le même. Alors, ah, un coin de sport aussi. C'est quoi ça? C'est un lit? C'est un tabouret? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? S'asseoir là comme ça? Non. Je sais pas à quoi elle ressemble, enfin à quoi ça sert cette casquette. Ah, et là un peu plus, on peut pas grimper. Dommage. Pou, pou. Ouais, bah c'est vachement sympa aussi, pareil, entouré de briques, ça fait vachement street. Ça me fait un peu penser au décor américain des années 90. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord. C'est bien aussi d'avoir mis des petites plaques d'égout. Du coup, ouais, c'est... Ah, oh, t'as Lico. Ah, et t'as lui aussi. Ah, c'est marrant, t'as le même... C'est exactement le même sol que la personne de la première vidéo, mais avec des trucs blancs dessus, là, des petits points en plus. C'est marrant, ça, c'est marrant. Et je sais déjà plus ce que je dis. Ah oui, que du coup, c'est vachement citadin. Ah, le coin mariage. Sur la plage, du coup, c'est une bonne idée aussi. Tiens, c'est vrai que j'ai pas vu les habitants qu'elle a. Alors, il y a Garance, Rina, Ralph, Roberta, Vanina, Matsi, Choco, Kat, Lico et ma petite Ella, que j'aime beaucoup. Ah, elle s'est changée, waouh, dis donc. C'est super joli aussi comme ça sur la plage, avec la grosse caméra et tout. C'est très très chouette. Sur la plage, j'aime bien aussi, hein. Et du coup, ouais, c'est un motif parce que tu peux pas mettre de tapis, je crois, à l'extérieur. Donc t'as été obligé de mettre un motif. Et disons que j'ai l'impression que t'as plus de place que moi pour les motifs parce que j'ai l'impression que t'en as partout dans ta ville. Alors que moi, c'est déjà quasiment rempli. Mes motifs doivent rester à une ou deux places. Elle est jolie cette robe de mariée, du coup, je crois pas que ça soit. Oh waouh, c'est joli aussi ici, dis donc. Ça me fait penser aux plages de Montpellier, il y a des flamants roses. À certains endroits. Ah, je peux pas passer, je suis obligée de refaire le tour. Hop. Du coup, ça me fait penser à ça. C'est vraiment. J'aime beaucoup ce petit coin-là. Donc voilà, t'as fait des jardins aussi pour tes habitants. C'est sympa. Ah, un petit coin asiatique. Alors, H. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit ici? T-I. Alors, est-ce que c'est un C? T-I. Elle est en train d'écrire. Parce que cette lettre-là, je vois pas ce que c'est. Ah, Tif, c'est un F. D'accord. Enfin, je pense que c'est un F, du coup. Je vais faire bravo, c'est où? C'est là. Carrément. C'est dommage qu'on puisse pas la voir d'en haut quand on arrive par l'aéroport. Alors. Donc là, il y a des petits arbres ici. J'ai pas vu de verge. Oh, dis donc, quoi. Wow. Oh, avec les cascades et tout. Avec la prise et le squelette derrière. Ah, j'aime beaucoup ce coin aussi. C'est trop chouette là. J'aime beaucoup. Ah ouais. C'est un tombeau. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ou... Non, on peut rien faire. Dommage. J'aurais bien vu tout en camon. Hop, j'ai failli la perdre. Donc là, on retourne vers l'aéroport, vers l'entrée. Voilà. Avec la fameuse quête. Ah, donc oui, voilà, le musée. Avec les petites maisons. Ah ouais, il y a plusieurs dinosaures, t'en as mis plusieurs.
C'est pas mal. Je les ai mis aussi, ces panneaux-là. Je les trouve chouettes. Ah, c'est trop mignon, ça. C'est trop chouette, du coup, petit atelier de couture comme ça. Ah, LV, c'est Louis Vuitton. D'accord. Et je crois que c'est ça aussi qu'il y avait en motif là-haut. Du coup, c'est pas un truc de des sœurs doigts de fée. Ah, un petit coin pique-nique. Ah, c'est sympa ça aussi. Ah, avec derrière le petit îlot pour peindre, de mettre des coussins aussi. C'est vrai que moi j'ai rien mis, donc on peut pas s'asseoir sur mon coin pique-nique. Ça peut être pas mal de mettre un petit coussin. Ah là oui, pour camper, du coup, on arrive à la boîte de nuit de la plage. Un petit coin avec des fleurs hybrides, c'est joli aussi. Un jeu de dames. Ah ouais. Ah dis donc, c'est vachement original du coup. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vachement logique. C'est top. C'est une bonne idée de faire des jeux de dames avec des fleurs. Voilà, super. Bah, je vais te demander de faire une photo dans ton coin préféré pour avoir une jolie petite miniature personnalisée. Alors, on va faire comme ça. Ouais, la photo dans son cinéma, c'est une très très bonne idée parce que franchement, il est vachement chouette. Tiens, et du coup, je vois des détails que j'avais pas vus, les panneaux de sortie là. Du coup, ça donne vraiment un détail vachement vachement réaliste. Donc non, franchement, je comprends pourquoi tu veux faire la photo ici. Au revoir cinéma. Bon, et eh bien voilà, je te remercie beaucoup pour ton accueil et la visite de ta ville. Elle est vachement chouette, t'as mis pas mal de très très jolis coins. Moi, j'ai beaucoup aimé le coin Égypte et le coin avec la peinture. Je pense que c'est mes deux préférés. Donc bah, tu dis merci beaucoup, mais merci à toi surtout. Parce que du coup, grâce à ta participation, bah, je peux tourner des petites vidéos comme ça où je visite des îles et je fais découvrir du coup aux abonnés bah, des îles vraiment sympas. Donc voilà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bah, à bientôt, je te redirai bah, quand est-ce que la vidéo sortira. Tu es la deuxième candidate, donc elle devrait pas trop tarder. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà pour ce deuxième épisode. Bah, j'espère qu'il vous a plu, que ce concept de vidéo vous plaît. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça trop cool de pouvoir visiter des îles comme ça. Et si en plus je peux le partager avec vous, bah, c'est encore mieux. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!